Généralement, le régulateur de vitesse se désactive en accélérant. Oui, réponse A. Non, réponse B. En freinant. Oui, réponse C. Non, réponse D. En cas de choc, quel passager est le mieux protégé? Le A, réponse A. Le B, réponse B. Les deux, réponse C. La caméra de recul limite le risque d'accrochage. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Dispense de regarder en vision directe. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. J'augmente la distance de sécurité en A. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. En B. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ces commandes permettent de gérer le son de la radio. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Un appel téléphonique en roulant. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. L'utilisation d'un régulateur de vitesse risque de favoriser une baisse de la vigilance. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Cette image est possible grâce à la caméra de recul. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Au radar de recul. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Il est préférable d'utiliser le régulateur de vitesse sur un parcours vallonné. Réponse A. Sur un parcours plat. Réponse B. Dans un trafic faible. Réponse C. Dans un trafic dense, réponse D. Il est dangereux de faire descendre un enfant côté rue. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je suis loin d'un obstacle. Réponse A. Je suis proche d'un obstacle. Réponse B. Le signal sonore est intermittent. Réponse C. Continue. Réponse D.